Dans ce village calme et bien sage vivait une vieille épicière, aimée de tous comme une grand-mère. Dans sa boutique, pas de panique, on ne se plaignait pas du choix, on trouvait tout et même des draps. Ses grosses lunettes la rendaient chouette, c'était la reine des enfants, mais surtout celle des gourmands. Les bricoleurs, tous les pêcheurs venaient souvent lui rendre visite pour une aide ou bien pour une truite. Certains clients en manque d'argent venaient quand même y acheter en prenant note sur son carnet. Car elle aussi, pourtant jadis, avait connu cette misère, elle qui naquit comme ouvrière. Sa porte, un écriteau faisait couler les larmes à flots. Des bruits couraient, les gens parlaient, ils n'osaient pas vraiment y croire. L'épicière et son au revoir. L'année d'après, le supermarché ouvrait toutes ses grandes portes pour remplacer celle qui était morte. Mais dans les cœurs pleins de douleur se dessinait